thank mm -hmm. you Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur votre chaîne préférée. Nous sommes le mardi 22 octobre 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Aline Dimier, la présidente du nouveau groupement des producteurs de volailles et eux de Savoie. On parlera de musique ensuite et jazz plus précisément avec le festival Jazz Contrebande et enfin une rencontre en fin de première partie avec Jocelyn Truchet, réalisateur. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Salut Clémence. Salut Seb. Pour les titres de ce journal du 19 euh, du 22, du octobre, 22. Pardon, <laughs> octobre 2019, on partira en, tout d'abord à la découverte du service Handiconsulte au change. Et oui, puisque se soigner n'est pas toujours évident. Alors depuis près de 7 ans, le service Handiconsulte, comme tu le disais, Dancy euh, de l'hôpital d'Annecy, tente de réconcilier handicap et soins ordinaires. Ce sera un reportage dans le JT. Et puis place à notre série de la semaine avec jean Paul Crespi. Et oui, et on part à la tuilerie de Bardonnay, alors plongée dans l'univers d'un site méconnu, chargé d'histoire et super fort en savoir-faire et toujours en activité. Merci beaucoup. On passe à notre première invitée de l'émission, Aline Dimier. Bonsoir. Bonsoir. Alors je disais en introduction vous êtes la présidente du groupement des producteurs de volailles et eux, de des Savoies, des une soeurs. entité assez récente. Euh, avant de rentrer dans les détails, en quoi consiste cette, euh, ce groupement ce groupement, ça permet de regrouper les, les producteurs de volailles euh, des Savoies, que ce soit dans l'œuf ou de volailles de chair, c'est-à-dire le poulet, la pintade, la dinde. Euh, quelle est la vocation, quelles sont les principales missions de, de cette entité C'est euh, Déjà, nous, bah on est peu, on est so, une so, ouais, 70 producteurs <laughs> d'œufs et de volailles sur les deux sur Savoies, deux Savoies. Donc ce qui est très peu, et donc ça nous, nous permet de nous réunir pour nous former, nous améliorer, et euh, aussi ben, promouvoir euh, notre filière et principalement aussi redorer l'image. Bon, on y reviendra un peu plus <laughs> voilà. tard. Comment est-ce que vous êtes arrivée à ce poste de, de présidente Ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. C'est la Chambre d'agriculture euh, avec euh, le conseiller circuit court Julien Combe qui nous a incité, enfin voilà, de, de nous réunir. On a fait plusieurs formations et puis le groupe s'est euh, bien plus. C'était très sympa de se retrouver et puis de discuter entre nous de de nos problématiques et donc de fil en aiguille on a créé l'association et puis ben, parce que je me suis retrouvée présidente parce que personne d'autre voulait comment se passent ces, ces premiers mois là de, de gouvernance ça se passe en tant bien que présidente. ça va ça va je suis bien secondée par Julien de la chambre d'agriculture quand même et puis par Marianne qui est la secrétaire et Thomas le trésorier c'est quoi la, la touche Aline Le rire c'est important, j'imagine. C'est important, oui. Alors, vous êtes donc vous-même éleveuse de volailles de chair à la Biolle. Il oui. euh, y avait, selon vous, un manque d'une structure fédératrice là, pour, pour mieux organiser la, la filière Ah, complètement, oui. Parce qu'on était euh, tous un peu euh, dans nos coins. Et euh, donc, euh, de nous de montrer, puis de montrer qu'on existe, quoi parce que ce n'est pas la principale production en, dans les Savoies, la volaille. Vous êtes justement, on peut on considérer euh, comme le, le parent pauvre de ce cette, de cette, euh, secteur agricole, du paysage agricole euh, des pays de Savoie. Euh, à, à quoi est-ce que c'est dû, selon vous Vous l'avez tout à l'heure évoqué, une mauvaise image Une mauvaise notamment. image Et puis le fait que, historiquement, on n'est pas un, un pays de volaille. On ne va pas penser forcément au pays de Savoie. Voilà. On ne pense pas à savoir euh, poulet quoi. Alors qu'il euh, y, y a ce qu'il faut. Alors qu il y en a. Et en plus, vous êtes une, une, un type d'élevage qui est, qui, est, qui est pas trop gourmand, on va dire, notamment en termes d'espace. Non, nous, un hectare suffit. En, en comparant ah, avec bah, un au, élevage ovain, au vin vin. ou bovin, on a... Oui, nous, c'est un hectare. Euh, un... Alors les chiffres sur, sur les départements, euh, au total, sur 41 millions de kilos de, par an de volailles qui sont consommés. Alors que la, la production, elle représente 649 000 à peu près, 649 000 kilos. Qu'est-ce qu'ils qu qu veulent dire, ces chiffres bah, Ça veut dire que surtout, on n'arrive pas à, à répondre à la demande. Quoi. On, fait, on répond pour 1,69 d'autosuffisance. Donc, il euh, y, y a du travail encore. Si autosuffisant. Le but de votre association, c'est aussi ça c'est d'arriver à développer, à créer des, des vocations, pourquoi à pas À créer des vocations et puis euh, surtout, euh, aider à l'installation. Parce qu'on en a des vocations. On a actuellement 13 porteurs de projets, que ce soit en pondeuse ou en volaille de chair. Mais c'est difficile de trouver le terrain. Bon, ça, c'est toute production confondue. Mais aussi, c'est le fait où, il y a, où on a besoin d'aide des élus pour pouvoir s'installer. Tout à l'heure, vous parliez de la mauvaise image, mais c'est dû à quoi Pourquoi est-ce que, selon vous, on pour va peut-être faire moins, moins confiance à des agriculteurs comme vous, plus qu'à qu des, des éleveurs de, de vaches laitières ou alors. Des, des, des céréales, pourquoi ben Parce que justement, il n'y avait pas cette filière d'entraide. Donc, donc là, avec la filière, ben, on est quand même euh, soutenu entre nous et puis on, on, se, on se fait connaître. Et puis après, c'est la mauvaise image ben, des gros élevages industriels. Nous, on n'en a pas à en savoir. Ça vous fait du tort, même à vous, pourtant oui, Bien sûr. Ouais. Euh, quels sont les prochains, pardon, prochains gros chantiers là, pour les, les mois, les années à venir, euh, pour vous en tant que présidente de ce, de ce groupement on a compris susciter des vocations, <laughs> susciter améliorer l'image. Mais est-ce qu'il y a oui. sur d'autres axes de travail ben, on aimerait travailler pour la restauration collective, ce qui n'est pas, pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Et puis aussi, pourquoi pas tendre vers euh, faire une marque Savoie de volaille, volaille de Savoie, quoi. Qu qu Qu'est-ce qu qu'on vous donne comme argument, notamment au niveau de la, la restauration collective ben, qu'on est un peu cher. Ce qui est, euh, forcément, on peut pas nous produire du poulet à 4 euros le kilo, quoi. C'est pas possible. On a, pas, on, on a une durée d'élevage qui est déjà grande, on est à minimum 120 jours. Alors que ben, l'élevage industriel, euh, en, en 35 jours, vous avez fait un poulet. Quoi. Donc, il, euh, il est comment le, le poulet savoyard <laughs> Ah, il est ferme. C'est quoi C'est ça, ses principales qualités ben, euh, La principale qualité, c'est lorsque vous le mangez, vous n'avez pas l'os qui se détache de la, de la chair. quoi. Et puis, il faut le faire cuire doucement. Bon. Et longtemps. Vous êtes confiante pour pour l'avenir de la filière. Le fait d'avoir mis en place cette association, ce groupement, ça va vous permettre, selon vous, de de, de gagner en maturité. De oui, je pense qu'on va non, non, on va se développer et puis on, on aide ouais tous les jeunes qui veulent s'installer, enfin jeunes et moins jeunes. Mais et euh, oui, ça va ça va perdurer et on va on va avoir une petite place quand même dans la Savoie. On sait tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Restez avec moi pour la, la revue de presse. On va continuer à parler du monde agricole. Vous le savez sans doute, hein, ce mardi à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. De nombreuses actions de mobilisation pour interpeller Emmanuel Macron ont eu lieu un peu partout en France. Euh, chez nous, la mobilisation a aussi eu lieu, mais sous une autre forme. On verra quelques... on y reviendra dans notre journal de mercredi. Euh, la situation a été très tendue, notamment de, du côté de Nîmes, où il y a eu des heurts entre agriculteurs et forces de l'ordre. Euh, certaines autoroutes ont été bloquées et plusieurs manifestations ont même eu lieu devant les préfectures. Euh, je ne sais pas si vous êtes confronté aux mêmes problématiques que, que vos collègues, mais est-ce que vous comprenez la colère, euh, l'inquiétude de ces agriculteurs euh, qui ont euh, défilé aujourd'hui Ah ben moi je la comprends, puis je la, je la soutiens euh, complètement, parce que après nous on est moins confrontés parce qu'on vend tout en direct. Donc nous vraiment on, tous ceux qui produisent en Savoie ils vendent en Savoie quoi. Donc on n'a pas ce, ce problème avec euh, les accords internationaux quoi. Vous n'êtes pas Donc encore ça... confronté à ce genre de problème, non. mais, mais c'est quand même selon vous une colère légitime Ah oui complètement ouais. On, doit, ben, on, va, on a un beau pays, une belle agriculture en France, donc on, on doit manger français. quoi. Merci beaucoup, Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Longue vie au, au groupement, en tout cas. Pas on va parler culture avec nos deux prochains invités, même de jazz, avec Agathe Denis et Noé Secula. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue sur, euh, sur ce plateau d'accès direct. Alors, Agathe, vous êtes la coordinatrice du festival Jazz Contrebande. Noé, Se Noé Secula, vous êtes pianiste. Vous avez participé notamment au tremplin, on, on va y revenir. Avant d'évoquer cette édition 2019, Agathe, euh, dites-nous un petit peu d'où il vient ce festival Jazz Contrebande. Ah, alors il vient déjà depuis longtemps, parce que c'est la 23e édition. À la base, c'était vraiment une envie des acteurs culturels suisses et français de travailler ensemble autour du jazz. Donc il y a vraiment trois objectifs qui ont été fixés, enfin deux objectifs qui ont été fixés dès le début. C'était d'abord la circulation des artistes, la circulation des publics, donc ça veut dire les Français aillent en Suisse et les Suisses aillent en France, et puis la circulation des programmateurs entre les deux pays, pour que vraiment il y ait des échanges et qu'au-delà, d'un festival, c'est vraiment un réseau qui se renforce et qui se nourrit et qui euh, échange ensemble. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était défendre le jazz vraiment dans toutes ses composantes, avec toutes ses influences. On voit qu'on a cette année un festival euh, très riche qui présente même du jeune public. Ça peut aller de l'électro-jazz euh, au jazz un peu plus classique, un peu plus world, un peu plus pop. Euh, voilà, avec toute, toutes ces influences différentes. C'est quoi son, son ADN à ce festival L'ADN, c'est euh, vraiment l'envie de mieux se connaître entre les deux pays. Euh, à la fois donc les structures suisses, parce qu'on est, on est deux pays côte, côte à côte, mais néanmoins il y a vraiment ce besoin de communiquer et d'échanger. Et puis l'idée, c'est qu'un musicien, euh, un artiste jazz qui soit à Yverdon-les-Bains euh, puisse venir jouer au Brise-Glace à Annecy. Qu'un artiste de Chamonix puisse aller en Valais, etc. Donc euh, c'est donc vraiment sur les bords du, du. Enfin, pas sur les bords du Lac de mais autour du Léman. Euh, ça va jusqu'en Valais, ça va dans l'Ain, Haute-Savoie, euh, Genève et Vaud. Voilà. Alors Noé Kula, donc vous êtes pianiste. Ouais. Euh, vous avez euh, donc joué hein, ce dimanche, enfin, euh, dimanche 13, pardon, lors ouais. du tremplin, donc jazz contrebande. Quels souvenirs est-ce que vous gardez de ce, ce passage alors, ça a été une très bonne après-midi déjà, parce qu'on a, on a rencontré des musiciens qui étaient très talentueux. Et euh, je pense que c'est le principe du tremplin aussi c'est de, de se mettre en, en contraste euh, avec d'autres musiciens, de voir, euh, de, entre guillemets, se mesurer, même s'il n'y a pas vraiment cette, euh, cette notion cet fait... esprit-là. Voilà. Euh, en tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir euh, avec, euh, avec mon trio. Et. Euh, et pour nous, ça a été vraiment une grande expérience, surtout que donc on a été nommé après euh, coup de cœur du cas. jury. Voilà. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça fait justement Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait d'avoir été nommé euh, coup, de du, du bah, coup de cœur du jury Coup de cœur du jury, déjà c'est une très bonne récompense pour nous, parce que ça nous offre euh, une certaine visibilité, on va dire, euh, sur la scène euh, franco-suisse. C'est le principe de Jazz Vente, même. Et, euh, et on est honoré, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même des musiciens qui étaient qui étaient très bons. Euh, tous les groupes se valaient globalement et, euh, et donc on a été choisi, donc on est honoré. Euh, Agathe, ce tremplin, euh, mm -hmm. c'est un des temps forts hein, du festival, troisième édition cette année Alors, exactement. donc Je vous ai cité les deux, premiers, euh, object... les deux premiers objectifs qui étaient vraiment là dès le début du festival. Et puis, il y a un troisième objectif qui est vraiment euh, né ces trois dernières années, de soutenir les jeunes musiciens jazz de la région franco-suisse. Donc, pour postuler, pour que Noé puisse venir avec son trio jouer euh, à l'Esplanade du Lac le 13 octobre, il fallait remplir certains critères. D'abord, être issu de la région. Euh, être une formation donc du duo sex euh, donc six musiciens maximum, euh, et puis euh, avoir des compositions de jazz, forcément. Euh, et le jury était composé de huit personnes, avec Louis Clavis, qui est un musicien vraiment reconnu, euh, et puis différents... Il y avait quatre directeurs programmateurs de, de quatre salles, des issus des 28 salles du réseau. Ça veut dire que... Clairement, les groupes euh, sélectionnés, c'est-à-dire qui sont déjà sélectionnés parce qu'ils ont, ils ont, ils ont présenté des, des projets qui, qui, qui tenaient vraiment la route, des euh, six groupes déjà sélectionnés, bien sûr le réel, le coup de cœur en priorité, euh, seront mis en avant auprès de 28 salles issues du réseau. Donc c'est vraiment pour eux une chance, une visibilité, et puis une, de, de, pouvoir, de, de pouvoir continuer. Exact. Noé, selon vous, qu'est-ce qu'il peut vous apporter pour la suite, euh, ce, ce passage sur ce tremplin au Jazz Band contre. Jazz contre band. Alors, bon, nous déjà, on a, on a, tous ces entre guillemets récompenses donc d'avoir euh, des dates euh, assurées. Euh, voilà, j'ai peut-être même une une master class à Genève, etc. Donc ça va me faire bien voyager et, et rencontrer des gens. Euh, mais ce qui nous apporte, je pense principalement, c'est le fait d'avoir été repéré euh, par, une, par un réseau plus large, quoi, plus large que la scène lyonnaise par exemple, ou qui s'étend déjà euh, finalement à l'international. Donc, ça porte parfaitement son nom de tremplin. Absolument. Voilà. absolument. Alors, donc, vous l'avez un petit peu évoqué, donc le festival, ce sont 28 salles mmh. sur les deux pays, mmh. 70 concerts, plus de 200 artistes. Ouais. Ça a une vraie ampleur Oui, c'est vraiment un événement phare <coughs> culturel dans le paysage franco-genevois. Alors, là, pour le tremplin, il bah, y a même un artiste qui vient même de Lyon. Peut-être qu'on va étendre encore plus en Suisse romande également notre rayonnement. C'est une édition très riche cette année, avec une ouverture pour une première fois qu'on a fait à l'Alhambra, qui est une très belle salle genevoise. On a eu Eric Truffat qui est venu justement avec les lauréats du tremplin de l'an voilà. passé qui étaient venus en première partie. Donc là, c'est vraiment une visibilité à plus de 700 personnes. Euh, 700 personnes, c'était assez, assez conséquent et puis c'était vraiment chouette. Et ensuite, là, bon, là aujourd'hui, on est le 22 octobre, il reste encore une semaine. Et euh, il y aura un dernier, alors il y a encore plusieurs rendez-vous au Brise-Glace ce jeudi. Euh, il y a Portico Quartet avec le coup de cœur de l'an passé aussi qui vient jouer en première partie. Donc on voit bien qu'il y a cette, euh, cette présence-là euh, dans le festival qui suit l'année d'après, euh, le tremplin. Et puis moi, je vous invite à venir à la soirée de clôture qui a lieu le 29 octobre à l'Alhambra à Genève avec euh, Eric Lénini Trio qui, qui, qui vient et qui va, ça va être une très belle soirée. Noé, vous en profitez sur ce festival pour euh, essayer d'aller voir d'autres concerts mm -hmm. Alors oui, j'en profiter. Je pense que je serai là à la soirée avec Eric Lénini Trio justement mmh. parce que je pense que ça va être monstrueux. Et puis, euh, ouais, ça va être super. Je pense que bah, du coup, on a accès quand même à, à la programmation, il mm -hmm. me semble, et euh, on va en profiter. Euh, vous, personnellement, le, le jazz, qu'est-ce que ça représente Ça vient d'où cette, cette envie de vous... Alors, le jazz... Faire euh, bah, moi, j'ai commencé euh, donc, quand, euh, quand j'avais 11-12 ans. Euh, j'ai découvert d'abord un album de Jamie Colom qui m'a vraiment euh, mis dedans, et après, au fur et à mesure, j'ai découvert plein d'artistes différents, de Bill Evans à, à Brad Meldo, etc. Et aujourd'hui, je pense que le jazz, euh, bah, déjà dans son modernisme, on va dire, actuel, c'est plus une attitude qu'autre chose. C'est-à-dire que ce pas forcément euh, des clichés ou des, ou des manières de jouer, c'est une attitude. De, on peut prendre, euh, comme le prouvent certains jazzmen, de, des, des chansons pop, des chansons rock, et, et en faire quelque chose vraiment dans une attitude une jazz. Euh, Agathe, vous l'avez dit t -t 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 tout à l'heure, euh, ce festival, il sert également de passerelle donc, entre la France et la Suisse, mm -hmm. euh, notamment concernant la musique. C'est un aspect qui compte énormément pour vous. Oui, parce que dans le jazz contrebande, il y a jazz, et il y a contrebande. Et, et je pense qu'on est deux pays euh, très semblables, on a, on a la même langue, on a le... On partage quand même un territoire avec, avec avec Genève qui est complètement enclavée comme ça. Enfin c'est. Et, euh, et hélas, euh, les, les salles, les, les directeurs se croisent assez peu en fait. Et ça c'est assez étonnant Il y a de voir qu'il y, qu y a une méconnaissance. Et, 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 et simplement en, 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 en animant le réseau donc justement de ces 28 salles, je m'aperçois que lorsqu'on provoque ces rencontres, lorsqu'il lorsqu y a juste une séance de travail, de réflexion, et bien les gens viennent. Les gens viennent, ils ont besoin en fait d'échanger, ils ont besoin de se, de se rencontrer, de, de faire part de leur repérage artistique en Suisse pour que ça puisse aller plus loin et inversement. Merci beaucoup, on rappelle la date Merci. et le lieu de la soirée de clôture. Oui, donc c'est le 29 octobre à La Merci beaucoup. Ah, Merci à vous. Bonne Merci. continuation pour la Merci. suite. Merci. Au revoir. On va terminer cette première partie avec une rencontre, une rencontre avec Jocelyn Truchet. Je vous en prie, installez-vous. Bonsoir. Ça. Alors, vous êtes le réalisateur d'un court métrage qui s'intitule euh, Deux semaines en juin. Vous êtes originaire de Morienne. Euh, il s'agit d'une évocation du destin de héros un peu oubliés, euh, ceux de la bataille des Alpes. Euh, tout à fait. En fait, donc deux semaines de juin qui correspond au, en juin 1940 entre la déclaration de guerre le 10 juin euh, de l'Italie et le 25 juin qui est l'armistice. Donc en fait euh, l'histoire du, du film, c'est de, outre le côté historique, donc de parler de combats oubliés et en plus de combats de que l'armée française a gagné. Euh, ça permet aussi de, en, temps, en suivant les soldats, et notamment dans l'attente des combats, euh, de se poser toutes les questions euh, un peu existentielles qu'on peut se poser euh, dans ces moments-là, c'est-à-dire en fait quel est notre rôle en tant que citoyen, parent euh, toutes, toutes, cette chose, toutes ces choses qui permettent d'enrichir le, le récit historique. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce sujet bien précis, sur cet épisode-là Alors moi, déjà, j'ai toujours été passionné d'histoire et principalement d'histoire militaire. Et euh, bah, en fait, ces, ces moments-là me touchent de façon, euh, parce que pour moi, les, les soldats de juin 40 ont beaucoup été décriés, alors qu'ils se sont battus. Certes, ils ont euh, ils ont perdu. Dans, en France, mais euh, par exemple sur les Alpes, en fait, ils ont gagné face aux Italiens. Donc euh, ça mérite d'être souligné et euh, de revaloriser le, leur image. En juin 1940, il n'y a pas que des soldats qui ont perdu. Comment expliquer qu'il s'agit là d'un épisode méconnu de cette Deuxième Guerre mondiale bah, Je pense qu'en fait, l'effet le, le, euh, débâcle de, de juin 1940, en fait, est une partie de notre histoire qu'on veut, euh, qu veut un peu oublier. Mais euh, du coup, le problème, c'est qu'en fait, en gros, il ben, faut pas oublier les personnes qui ont participé. Certes, euh, ça a été compliqué pour eux, euh, mais ils se sont quand même battus, ils ont quand même fait leur devoir, euh, même si l'issue était, euh, était très compliquée. Alors, vous êtes vous-même un ancien soldat du 13e bataillon de chasseurs alpins. Euh, Est-ce que vous êtes servi de votre histoire personnelle euh, pour la réalisation de ce film Forcément, j'imagine que ça a du for jouer. For forcément, en fait, déjà dans la partie des scènes de combat, pour que ce soit le plus réel possible. Euh, parce que même, euh, je veux dire, le, le combat en montagne, c'est euh, à l'époque comme maintenant, en fait, ça se ressemble beaucoup. Certes, les armes ont évolué, mais euh, on est toujours dans un milieu qui est difficile, donc euh, je me suis servi de ça. Et je me suis servi de ça aussi dans tous les moments d'attente, qui est une grande partie de la, de, de la vie du soldat. Et euh, donc c'est là où on se pose toutes ces questions et c'est aussi ce que j'ai voulu euh, transcrire euh, dans l'attente de ces soldats dans l'histoire. Alors la, ré la réalisation de ce film, de la production, ça demande une certaine logistique. Et un coup, vous avez donc lancé une campagne de financement participatif pour, bah, pour vous aider. Alors euh, oui, donc déjà de faire un film, ça a un coût. De faire un film historique, c'est encore plus cher. Et de vouloir tourner un film historique en montagne, ça augmente encore. Donc, déjà, je remercie la production Séverine de m'avoir suivi dans ce projet un peu fou. Euh, parce que quand je lui ai dit, euh, bah, on va tourner la moitié du film à deux heures de marche de la moindre route carrossable, euh, elle m'a pas directement jeté. Elle m'a dit, euh, je fais, ah, mais on va pouvoir utiliser des ânes. Donc, du coup, ça remettra les gens dans le, dans le contexte de l'époque. Donc, euh, donc, oui, tout ça, ça, ça a un coût. Et euh, bah ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tournage comme ça, c'est une vingtaine de personnes en équipe technique, une dizaine d'acteurs et à peu près une trentaine de figurants sur la totalité du tournage. Et euh, donc pour 10 jours de tournage, euh, le coût complet du, du film, sachant que ce ne sera qu'un 20 minutes, euh, ça fait autour de 150 000 euros. Donc c'est une certaine somme. Donc c'est une certaine personne à trouver. La campagne est encore active, j'imagine La campagne est encore active. Donc elle est sur euh, Helloasso et elle est portée par l'association Badarus. Qui est euh, coproductrice euh, du film. Alors le tournage a débuté fin septembre. Il a duré une dizaine de jours. Euh, ça s'est bien passé. Ça, ça correspond à ce que l'idée que vous en aviez Alors euh, oui, complètement. En fait, on a quasiment réussi à faire tout ce que je voulais. On a eu quelques déboires un peu parce que utiliser des matériels d'époque, notamment au niveau des véhicules, bah, ça crée quelques, quelques petits soucis. Donc ce qui nous a mis un peu en retard, mais on a réussi à tout faire. On a des, des superbes images, des super ambiances. Donc, euh, donc ça devrait être un, un beau film. L'objectif, c'est quoi la... Pour quel support En termes de diffusion Alors en termes de diffusion, peut-être essayer de se faire acheter par une chaîne. Mais après, principalement, organiser des, euh, des soirées, des soirées de débats, de diffusion dans les cinémas en Savoie, dans la région, mais aussi un peu partout en France, pour euh, utiliser le film comme, euh, comme support. Donc, euh, certes, c'est un, un film de fiction, mais derrière, en fait, ça raconte l'histoire de, de, de personnes qui se sont ré réellement battues, comme mon grand-père, qui s'est battu dans la vallée à côté de là où je tourne le film. Et euh, du coup, ça permet, de, bah, ça permet en fait de parler de ces soldats méconnus, et ce qui est aussi un peu le but de ce film. Merci à vous, Jocelyn. Bravo, en tout cas, pour ce que vous faites. Bon courage et puis bah, bonne continuation pour, pour le film. Merci bien. À très vite. Allez, on prend la direction à présent de Lausanne pour euh, finir cette première partie. Lausanne, où nous attend Josette Brucher, la directrice du marathon de Lausanne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment allez-vous à 5 jours de l'édition On rappelle hein, le marathon qui aura lieu ce dimanche. Comment, dans quel état d'esprit êtes-vous Est-ce que tout est prêt non, tout, tout n'est pas encore prêt, mais on est euh, voilà. On attend avec impatience dimanche. Je crois qu'ils annoncent beau temps d'ailleurs. Ah, une Donc, bonne nouvelle déjà. Voilà. Espérons que la météo va pas changer, mais là, on est à fond pour dimanche. On est dans les dernières préparations. 27e édition du marathon cette année. Faites-nous un petit peu un, un rappel historique de, de l'épreuve. Euh, là, alors, le, le marathon est né en 1993, là, en juin, le jour de l'inauguration du musée olympique. Et c'est vrai que, comme c'était en juin, je crois qu'il a fait 28 ou 27 degrés ce jour-là. Pour les marathoniens, c'est un petit peu difficile et compliqué. Et c'est pour ça qu'à partir de la deuxième année, on s'est mis en octobre. Et là, ça, ça fait la 27e édition que ça aura lieu en octobre. Combien de participants est-ce que vous attendez sur les différentes courses alors en tout, on espère avoir environ euh, 12 000, 12 000 à 12 500 si les gens euh, là attendent justement le dernier moment pour voir la météo. Et puis après, c'est réparti sur euh, chaque course. Donc le walking nordic walking un peu plus de 1 000 participants, euh, le 10 km environ euh, 5 500, euh, 5 600, le semi-marathon pareil et le marathon environ 1 500. Et puis chose importante, il reste des places. Hein, je, je dis pas de bêtises. Alors les inscriptions sont encore ouvertes, oui, il faut profiter de, de se dépêcher un petit peu pour s'inscrire, mais les inscriptions en tout cas sont ouvertes jusqu'à normalement jeudi. Un, Après, mot sur le par... et... un, un mot sur le parcours qui attend les, les participants, justement les, les coureurs euh, Sur le parcours en général, donc les coureurs vont justement euh, courir euh, sur le parcours qui longe le lac euh, entre le vignoble et le, le lac Clément. Euh, pour le, le marathon, c'est un aller-retour et pour le semi-marathon, les personnes prennent leur devoir à Lausanne, ensuite prennent le train. C'est sympa parce que dans le train, ils vont voir tout le long du lac les coureurs du marathon courir sur la route. Et eux vont rejoindre la Tour de Paix pour prendre le départ là-bas et revenir sur Lausanne. Et cette année, hein, nous aurons le plaisir à 8 Mont Blanc de vous proposer le marathon en intégralité ce dimanche 27 octobre sur notre antenne et sur notre page Facebook. Euh, c'est une bonne chose aussi d'arriver à promouvoir l'événement. Ben oui, comme ça, on touche aussi, grâce à, grâce à TV8 Mont-Blanc, euh, on va toucher tout le bassin euh, d'Annecy, euh, la région, la Haute-Savoie. Et en Suisse, on regarde aussi euh, votre télévision, votre chaîne de télévision. Donc, euh, pour nous, ben, c'est un, un plus. Et puis, j'espère que les Français vont encore s'inscrire pour venir courir chez nous. Merci beaucoup, Josette. Bon courage pour la dernière ligne droite. On enfin, se voit ce dimanche. Pas. Merci beaucoup. Allez, c'est fini pour cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction présenté par Clémence Rualdès. A tout de suite.